Bonne année, année. C'est la première de Solidaire d'abord pour 2023. Alors c'est vrai que cette émission va commencer par quelque chose d'un peu spécial, c'est que moi je voulais rendre hommage à quelqu'un qui a participé à, à ces émissions dans le passé euh, et qui est décédé aujourd'hui, enfin pas, pas aujourd'hui, aujourd'hui on, on, on l'a enterré euh, à, à, là-haut sur le plateau à Coucouron puisque c'était quelqu'un de la Confédération Paysanne qui était sur le plateau Ardéchois. Qui Michel Jarlu, je n'arrive pas à le dire au passé. Euh, et donc il a participé à plein d'émissions euh, il y a quelques années déjà. Euh, entre autres, la dernière, c'était une émission sur le loup où il y avait eu des controverses avec euh, quelqu'un qui était venu pour la Frapna, pour euh, soutenir euh, les animaux sauvages, et lui était là pour soutenir les éleveurs. Voilà. Euh, donc, euh, paix à lui. Euh, bon, voilà, euh, on, on a toujours euh, nos sujets euh, sous le coude, euh, c'est-à-dire continuer à développer ce que l'on a développé sur le chômage, cette, cette réforme des retraites qui est en cours, ce que cela induit par rapport à notre société, ce que cela induit par rapport au, au, à l'argent qui est reversé aussi euh, aux multinationales, euh, même à, à notre nez, à notre barbe en fait. Hein. Euh, il y aura bien sûr le quiz à Denis qui va... Arrivé en fin d'émission, qu'il qu nous a concocté pendant. Il a eu le temps, pendant presque un mois. Et puis, il y a, il y a une, une affaire qui vient d'arriver là, au local, et il faudra bien qu'on en parle un petit peu. C'est le préfet de l'Ardèche en roue libre. Alors, le préfet de l'Ardèche en roue libre, ça veut dire que, par exemple, il se permet de prendre un arrêté pour euh, permettre que les travaux qui se font à Saint-Pierre-de-Colombier redémarrent. Et donc euh, il, a, il a fait ça et il est venu expliquer ça, le mec. Euh euh, ouais, il, il se sent tous les droits. Il est venu expliquer ça devant le parc, euh, devant les instances du parc. Euh, C'était jeudi ou vendredi soir, là, la semaine dernière, jeudi. Et, et euh, il est venu... Euh, 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 C'était une, une, une réunion syndicale hein, de, tous les, de tous les élus du parc, etc. Et il est venu expliquer à tous ces gens-là qui étaient contre le fait qu'il y ait eu un permis de construire qui a été accordé à ce, ce chantier basilique. Et il est venu quand même leur expliquer que, ben bah voilà, euh, oui, lui, il avait redonné le droit aux, aux travaux de se faire. Et qu'il ne fallait pas se confondre qu'il y avait plusieurs affaires complètement différentes, il y a d'une part le permis de construire que d'autre part il y a son père et lui euh, le fait qu'il permet que les travaux recommencent, à tel point que c'était tellement des affaires différentes les unes des autres, parce qu'il y a aussi les gens qui disaient que c'était quand même des extrémistes la famille, la famille missionnaire de Notre-Dame euh, ce sont des extrémistes hein, ce sont quand même des gens qui sont contre les homosexuels etc. Enfin ça va très loin dans hein, leur, leur histoire et donc ça c'était encore une troisième affaire à tel point que moi je me disais putain mais attends il y a peut-être plusieurs basiliques qui sont en construction parce qu'il y a plusieurs affaires je ne savais plus où on en était et alors toi Alain tu avais plein de questions à poser ben moi je, oui cette, euh, disons ce projet m'a toujours posé question je me dis pourquoi construire dans cette belle petite vallée une basilique gigantesque hein, pourquoi cette association euh, quelle place elle occupe au sein de l'église catholique d'ailleurs est-elle vraiment au sein de l'église catholique euh, est-ce qu'elle se positionne comme un courant intégriste, comme un courant conservateur bon, on peut se poser quand même toutes ces questions euh, est-ce qu'elle a une urgence d'obéir euh, pour, pour trouver euh, cette somme, euh, est-ce qu'elle est guidée 30 par euh, 30, 30, 30 mi millions 30 millions, alors de, pour, où elle trouve cet argent, qui, qui donne euh, pourquoi, pour quelle motivation euh, quand on donne 30 millions, euh, il faut quand même rassembler pas mal de gens, euh, si, ou des gens fortunés. Si, euh, si, euh, tu, donnes, si tu donnes, c'est comme toujours, toujours les dons euh, 66% euh, hop qui... L'État va en payer 20%. Voilà. Euh, euh, non, l'État va en payer 20, euh, ouais. 20 millions sur les 30%. 30%, 30%, 30% l'État. Avec les subventions, les gens en payent 30%, l'État va en payer le reste. Ah. Donc, à la sortie, c'est nous qu'on paye là. La... C'est nous qui payons la, 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 su, eh la oui. super basilique. Mmh. Donc et on... puis, alors, après, euh, je me dis au niveau écologique, hein, euh, oui. euh, je, je sais que le pape François a écrit euh, l'Audato aussi, hein, qui est une encyclique euh, extra, assez extraordinaire hein, sur euh, le, le respect de la nature et sur le, les problèmes écologiques que nous allons rencontrer. Hein. C'est le premier chef d'État, disons, qui, qui a écrit euh, quelque chose d'outil conséquent. Et je me ben, par rapport à cette association qui se revendique catholique, euh, comment elle se situe par rapport à cette encyclique Déjà, le pape et, et l'évêque. Alors, vous, vous m'aviez repris tout à l'heure parce que je disais que ça doit être, être l'archevêque, enfin, bon, un des chefs. Là, non, 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 en, en Ardèche, ouais. euh, c'était un diocèse et, et le chef. De, dans l'Église catholique, c'est euh, l'évêque. Alors l'évêque euh, a, a, a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce, ce, ce chantier de basilique, euh, et, et donc clair, très clairement, en tout cas, euh, la famille missionnaire de Notre-Dame ne fait pas partie de l'Église dans, dans, dans son concept. Euh, L'Église catholique. L'Église catholique, euh, c'est un que, truc que à, à, à côté. Voilà, mmh, un le, truc le problème, c'est que s'il faut une, que ça une chapelle, une basilique ce qu'on veut, il faut que l'évêque viennent faire une cérémonie pour la baptiser, Donc, pour qu'elle soit vraiment consacrée. Donc s'ils ne viennent pas, euh, ben, c'est une, une maison. Elle est marginale, voilà. elle est non, euh, non reconnue. Alors oui. après, Denis, t avais, t avais quand même, euh, tu mettais quand même un petit bémol parce que euh, les travaux sont suspendus pour l'instant. Voilà, oui, pour l'instant, parce que voilà, euh, pour l'instant, ils voilà, il jouent la montre. Et on, joue, euh, on joue en deux temps. Une fois, on va faire les, les à côté donc euh, la passerelle plus les, les hébergements, et après, un deuxième temps, c'est la cathédrale, enfin la basilique, la chapelle, enfin bon, ça a changé... Euh ouais. <laughs> enfin, ça doit être quand même une grande chapelle, ouais, hein, pour 30 millions, <laughs> hein <laughs> Oui, jusqu'à 3500 personnes qui peuvent ah, rentrer oui, dedans, oui, oui. c'est quand même, euh, oui, oui c'est un joli... Je crois qu'on peut abandonner le terme de chapelle. <laughs> Donc, en fait, ça, ça pose plein, plein de questions, parce qu'il n'y a pas seulement le côté écologique, c'est par rapport à cette vallée, mmh. que, ce que ça veut dire en, en termes de surajout, euh, consommation de l'eau, les eaux usées, enfin, etc. Il y a tout un ensemble de et, dossiers. Et puis, et puis la position du préfet, quand même, qui est assez extraordinaire, oh, oui, euh, moi je trouve, hein, oui. parce que qu'elles influences dominantes font que ce préfet, euh, qui semble être un, un esclave docile, hein, il oublie le caractère déterminant. C'est un de... comité d'État, monsieur. C'est un, un comité d'État, c'est vrai que c'est un salarié, un employé mmh. de, de l'État. Et donc il semble oublier quand même sa fonction républicaine, oui. Hum ah oui, parce qu'il n'est pas là pour la paix sociale hein. c'est clairement c'était ça qui se passait parce que donc moi j'ai assisté à la réunion qui se passait à jo à où il était venu donc à l'intérieur de cette instance qui est le parc naturel, hein, euh, expliquer pourquoi il avait fait euh, il faisait repartir les travaux, il y avait quand même 200 personnes qui étaient venues. Là, parce qu'il savait que le préfet allait intervenir, 200 personnes qui étaient contre, le, contre ces travaux. Donc, on, on, théoriquement, le préfet, il est là garant de la, la paix. Hein. Et là, alors, il, euh, il met de lui sur le feu, le mec. Hein. Alors, peut-être que, monsieur le préfet, vous avez peut-être peur d'être limogé de votre poste, euh, ou quand vous ayez une interruption. Euh de carrière dans votre ascension sociale vous allez peut-être peur également d'être éloigné de votre confort financier de votre autorité hiérarchique des pouvoirs et des autorités que vous attribue cette fonction qu'enfin on peut se poser des questions on peut se poser question par rapport à l'association par rapport au préfet voilà c'est quand même et le pire c'est que c'est la vallée de la Bourge oui. on voudrait pas défendre les par, Bourges quand même. par contre ouais, on peut signaler que le 14 là le 14 janvier, il y a une réunion, une manifestation, enfin un rassemblement, on va dire. Oui. Un rassemblement devant la préfecture de Privas. À 14h. 14h. Et donc, euh, il y aura plein, plein de gens. Euh, voilà, il, il faut venir euh, nombreux pour dire au préfet qu'on n'est pas d'accord. Oui, Sylvain. Moi, je voulais juste vous dire, si vous voulez avoir quelques réponses supplémentaires à toutes ces questions, c'était le sujet de l'onde curieuse d'aujourd'hui. Euh, on avait une représentante du PNR et euh, de, euh, du collectif des citoyens qui sont venus nous expliquer. On a quelques réponses aussi, si vous voulez, écouter en replay euh, l'onde curieuse d'aujourd'hui, lundi 9 Super. janvier. Merci beaucoup. Super, super. Voilà. Alors on avance sur, sur nos dossiers, euh, dossiers de, de base qui, qui était euh, le sujet que l'on développe depuis un certain moment, c'est-à-dire... Euh, tout, tout ce qui était autour de, des dérives de cette société, où on se retrouve avec une boucle libérale, néolibérale, qui nous a amené euh, tout un ensemble de choses qui font que bah, plus rien ne marche à l'intérieur de cette société. C'est-à-dire que, par exemple, on n'est plus capable de produire des masques, on n'est plus capable de produire des... des produits euh, sanitaires, on, est, on, on, a, on a plus l'école ne marche plus, le, la, la santé ne marche plus, enfin il y a tout un ensemble de choses qui partent complètement à volo et tout ça. Imaginez un seul instant que ce soit la gauche qui soit au pouvoir, qu'est-ce que nous dirait diraient pas les économistes de droite hein Oui, euh... oui. Non, mais c le, le scandale c'est les, les, les remèdes, le pas certainement les trucs de base, les trucs basiques qui manquent. Alors il y a un reportage apparemment, euh, il y en a, il y en a, seulement c'est question d'argent. C'est la celui qui en propose le plus, qui en a. En Bulgarie, il paraît qu'il manque pas de paresse tout va bien, parce que ben, ils mettent les sous pour en France, on ne veut pas mettre les sous. On compte, on compte, on compte. C'est bien que ben, il n'y a plus le C'est le marché. Voilà. Bon. La Dans loi une du société de comptable, c'est un truc de comptable. Mais, mais ce qui est terrible, c'est que théoriquement le comptable il est là pour servir les intérêts de quelque chose qui fonctionne. Alors que c'est plus ça qui se passe. C'est plus une société humaine avec un comptable qui nous aide à gérer le, les sous. C'est une société de comptable qui n'a a rien à foutre de la société humaine, tu vois. Donc là il là, y a une dérive qui marche plus du tout, quoi. Oui, puis c'est tendu, euh, avec le Covid ça va planter toute l'économie, et puis là que ça redémarre, eh ben oui, tout le monde en veut. Et tout le monde eh bien, demande de... et puis bon, en plus, cette année, avec le, les bronchiolites, le, le Covid et les, les grippes, euh, ça, ouais. premièrement, ça... Tout ce qui est urgence, c'est euh, de surbouquer. Et euh, voilà, quand on pense qu'on voit les, les gens attendre des, des 24 heures dans les couloirs sur des brancards... Pff, on se croit dans le, le tiers-monde, c'est cette, cette société part complètement à volo, c'est ce que tu es en train de dire avec, avec ce, qui, ce qui se passe au niveau de la santé. Mais par exemple, en plus, euh, l'Union européenne qui est là pour pousser pour qu'on fasse cette réforme des retraites, hein, parce que c'est l'Union européenne qui est demandeuse et qui est très très libérale, hein, ça ne vous a pas échappé, entre autres. Il y a aussi le scandale qu'il faudra bien régler euh, qui se passe au niveau de l'Union européenne euh, sur, sur toutes les, les commissions qui ont été données par le Qatar, entre autres. Hein. Mais oui. bon, enfin, bon, bref, en tout cas, Macron, lui, est encore plus libéral que l'Union européenne. Il ne faut pas perdre ça de vue, puisque par exemple, Ruffin nous explique que sur trois sujets, trois sujets pas des moindres, euh, euh, Macron a, a, est en train de, de freiner des cas de fer pour pas que ça se passe à l'intérieur de l'Union européenne. Par par exemple, le congé parental rémunéré. Bon, pour, par exemple. Deuxième chose, les droits pour les travailleurs Uber. C'est-à-dire qu'il y avait une réflexion de l'Union européenne pour... Un, pour Comment on fait pour euh, donner des droits à ces nouveaux travailleurs Et comme euh, c'est le dada de Macron et qu'il trouve que c'est très bien que ces gens-là euh, travaillent presque pour rien, ou en tout cas travaillent sans, sans demander des droits, eh ben, il n'est pas d'accord, donc il freine des cas de fer. Et puis, tr troisième chose, euh, au niveau de l'Union Européenne, enfin, se poser le, des questions sur des taxes sur les transactions financières. Et qui c'est qui s'y oppose C'est comme les super profit. Le Bruno Le Maire l'a dit, il n'y a pas de super-profit. Il y a des profits, c'est normal, les gens ils mettent des sous, ils achètent des actions, c'est normal, il y a des profits, mais pas de super-profit. Mais en fait, tout, tout tourne autour du pognon, parce que c'est ça qui est complètement fou. En 1990, 7,7% du produit intérieur brut était alloué à l'éducation nationale. Aujourd'hui, 6,6%. Donc, euh, peu, plus la société avance, moins on donne de sous à l'éducation nationale, par exemple. C'est très triste, d'ailleurs, parce qu'on a de, de plus en plus de, de professeurs, d'instituteurs qui ne sont pas vraiment formés. Hein. On a des, ouais, des écoles qui ont, dis, qui ont disparu de formation. Mais ça fait alors alors qu'il y a quand même une pédagogie. Il y, a, il y a la psychologie. Il y a, des, il y a disons une, une approche euh, et, et des compétences à acquérir. Quoi. Mais toute la fonction publique avant, ça faisait rêver d'être instituteur, d'être prof, de, de l'hôpital, les infirmiers. C'est fini, c'est fini. Oui, ils en trouvent plus. Nos, nos enfants rêver. et la formation, c'est quand même la France de demain, quoi. Oui, oui, euh, mais les gens ils préfèrent aller dans bon, le privé. Et, et puis, je pense aussi qu'on a il, il, ce, le capitalisme ou le néolibéralisme ne désire pas avoir des gens qui réfléchissent. Moins les gens réfléchissent, plus ils seront des esclaves dociles et faciles. Plus faciles à manipuler. Ah oui. Voilà. Alors, c'est ça qui est, c est, c est grotesque quand tu conf confrontes les différentes choses. Par exemple, Jeff Bezos, en trois secondes, gagne 10 000 euros le salaire annuel de plein de travailleurs, hein, euh, 10 000 euros, il y a plein de gens qui, avec 10 000 euros dans l'année, euh, c'est à peu près ce qu'ils gagnent. Hein, voilà. Lui, c'est en 3 secondes. Mais euh, les, un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Et puis, le salaire moyen d'un gars qui travaille Uber, c'est 600 euros. Enfin, tout, tout ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire c est, c est... Alors qu'il fait énormément d'heures ah, bien sûr, il travaille énormément. C'est-à-dire que petit à petit, alors c'était entre autres le sujet euh, qu'a compris, qu qu pris euh, euh, Ruffin euh, en essayant de, de travailler sur la valeur travail, hein, en expliquant que notre société euh, ne rémunère plus correctement le travail en fait, hein, parce qu'on en est là. C'est-à-dire qu'il y a plein de, de caissières euh, de supermarchés par exemple qui, qui font des heures, qui font des heures, qui courent euh, dans tous les sens, qui n'auront pas une retraite correcte, qui parce que faut bien voir que la réforme des retraites, les, les premières personnes qui vont payer la facture, c'est les femmes. Oui, ah oui. les carrières hachées. Ah oui. Les, les femmes dans l'histoire, quand, quand la réforme aura eu lieu, c'est elles qui vont passer, à, qui, qui, qui seront le, le ah, plus là, là. imputées par cette. Elle est pas encore passée. Elle pas encore passée la réforme. Ah, oui, mais, non mais si, si, si cette réforme passe, c'est elles qui seront impactées par ça. C'est les femmes. Après c'est les ouvriers, les employés. Voilà, hein, les, les, qui les, qui sont, Tous qui, les précaires. Qui, ouais, il, il faut voilà euh, tous les précaires. Il faudra qu'ils qu travaillent. Plus longtemps et, et ils auront plus la force physique de le faire. Et pendant ce temps là, n'oublions pas qu'il y a un an un petit peu plus d'un an on nous parlait des pandora papers on nous parlait des panama papers euh, c'est-à-dire de, de, de tous ces sujets où, où il y a des, des gens qui, qui sont allés chercher les informations qui, qui ont essayé de mettre ça sur la place publique qui montrent que il y a plein plein de soit sociétés multinationales soit de gens très aisés qui, qui font disparaître 100 milliards chaque année du, des, euh, du budget de l'État. Ouais. Et, et pendant ce temps-là, l'État, il va, il va aller racler euh, 10 euros euh, sur, sur, sur les retraités. Enfin voilà, c'est grotesque le truc. C'est ce qu'ils ont fait pour les appels. 5 hein. oui, voilà, euros, enfin, uh -huh. euros sur les appels. Enfin 5 euros et plus. Oui. Essentiellement sur les jeunes. Hein. Sur les jeunes étudiants. Hein. Oui. Bah, on les revoit, les jeunes étudiants, maintenant. Ils sont dans les files d'attente pour. Dans, les... dans le truc catholique ou le resto du cœur. Uh -huh. Mais enfin bon, tout ça ça montre qu'il y aurait comme qui dirait un petit problème sur l'organisation du pouvoir. Pourquoi? Parce que par exemple, quand Macron nous souhaite euh, les vœux, eh ben, au passage, il nous explique que euh, ben bah, euh, ouais, euh, quand même il euh, y a un problème climatique. Là. Oui, oui. Ouais. Ouais. Il, il s'en était pas encore rendu compte, le mec. Je sais pas, pas si tu, si, oh, si vous évaluez un petit peu le, le truc, quoi. Le mec, il est au pouvoir depuis 5, 5 ans, bah, passé, même plus que ça, puisqu'il était déjà au pouvoir euh, euh, à, 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 du temps de, de Hollande. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme info, ces mecs-là, quoi Ils travaillent avec quoi Qu'est-ce qu'ils ont dans les mains C'est eux qui dirigent. Ils, ils sont pas au courant qu'il y a un problème climatique, quoi. Non, mais attends... En fait, il, il est très déconcertant ce garçon parce ouais. qu'il est capable de dire, euh, de dire un jour euh, que les gens ne pourront pas travailler plus longtemps, par exemple, hein, euh, que c'est pas possible euh, au niveau des travailleurs. Il a écrit, de, ça, il, il a écrit en, voilà, ouais. il écrit, mes bons amis, travailler plus longtemps, ce serait hypocrite. Et j'invite, c'est Macron qui parle, hein, et j'invite les gens euh, que j'entends dire de manière simpliste, c'est ça la solution. D'abord de regarder la société, de regarder d'abord la société et que les gens peuvent pas travailler plus longtemps. Hein, donc c'est ce qui il dit Et aujourd'hui, il met en application, disons, il souhaite mettre en application cette retraite. Oui, mais mmh. la, la, la et à coup de 49,3, il y arrivera. Quoi. La, la, hein la France, ce n'est pas le vilain petit canard, c'est le, le, le petit canard qui, qui embête la chaussure, la, le caillou dans la chaussure de l'Europe. Parce qu'on est, on est à 62 ans, les autres pays sont à 65 voire 67 ans. Donc on est, il ne faudrait pas que ça fasse boule de neige, que les autres pays viennent nous copier, disons, et demander à travailler moins longtemps. Donc on est le caillou dans la chaussure de l'Europe. Oui, mais ça aussi, ils ont créé, enfin, le gouvernement Macron a créé quand même des équilibres budgétaires, euh, et donc ils souhaitent le, les rééquilibrer sur le dos des, des pauvres, hein, oui, quand oui, enfin, sur le dos quand... des travailleurs. Quand, quand tu parles de déséquilibre budgétaire, on euh, n'a jamais eu euh, une flambée de la dette euh, aussi grosse que depuis que Macron est là, hein, quand même. Hein, c'est ahurissant. Coup, oui, là. alors il y a eu le Covid, mais il y a bondé le Covid. Parce vrai. que le quoi qu'il en et coûte, le CICE, ça continue. Et etc., lorsque je parle de déficit, c'est le déficit d'État. Ce n'est pas du tout le déficit de notre système de retraite, qui aujourd'hui est excédentaire de 900 millions. C'est-à-dire, alors on dit, c'est pas beaucoup oui, c'est pas, c'est vrai. Bon, ramener, euh, c'est pas beaucoup. Dans les années qui vont, euh, qui vont venir, euh, il sera euh, ce système de retraite euh, très légèrement dé, en, dé, en déficit. Mais euh, euh, après, avec la loi Touraine euh, et les gens de 1973 qui peuvent prendre leur retraite plus tard, vivement. Disons, le système sera à nouveau rééquilibré. Donc, il n'y a pas de problème financier au niveau de nos retraites. On, on va aller euh, obliger les gens à travailler pour équilibrer. Les, 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 dons, les dons qui ont été faits euh, entre autres euh, par la, euh, le, le, la contribution euh, de la valeur ajoutée aux entreprises, enfin euh, des cadeaux qu'on a fait la CDAE, euh, l'ISF qu'on a abandonné, euh, qu enfin qu'on a abandonné que ce ouais. gouvernement a abandonné. Le donc c'est hein. les, voilà. les travailleurs qui vont payer en fait pour rééquilibrer euh, le budget de l'État. Oui et puis pour 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 que le, le service public puisse tourner encore un peu. Un petit peu parce qu'il est quand même oui, beaucoup oui, abandonné. Alors, hein. Le service public, je te signale que par exemple la Poste, je ne sais pas si tu as vu. Ouais. Bah, donc euh, bientôt, y a il n'y aura plus, plus de distribution de courriers. de courrier. Plus ouais. de distribution de courrier. Ouais. mais et tout, ils sont en train de tout nous casser ça, quoi. Ça hein. paraît dément. Ah ouais, là, là, je ne sais pas, pas si vieille. vous avez reçu le courrier, mais euh, on a reçu un courrier nous en tout cas qui demandait si on autorisait euh, aux concurrents d'EDF de donner nos coordonnées. Donc EDF, c'est impressionnant ça. EDF va donner des coordonnées des gens qui s'opposent pas à ses concurrents pour qu'ils puissent contacter les gens. C'est c'est aberrant, aberrant. C'est on prend vraiment EDF et les citoyens. Pour des oui, de alors, alors que si tu veux, t as, t as, tu veux avoir les prix conventionnés euh, du gaz, tu sais que, que ça va s'arrêter mmh. en juillet. C'est-à-dire qu'en juillet, d'un seul coup, on va, on va se retrouver avec le tarif okay. réglementé qui s'arrête. C'est-à-dire que pour ceux qui, qui sont au gaz de ville, hein, il, il va falloir euh, se tourner vers de nouveaux opérateurs, comme ils disent. Hein, euh, et, mais pour, pour EDF, comme il y avait le projet Hercule, mmh. tu sais, et puis que finalement, euh, puisqu'il il veut, il veut refaire du nucléaire, il ne sait pas s'il... Si laisse Passer le projet Hercule, etc. Donc c'est sans arrêt, un pas en avant, deux pas en arrière. Il ne sait pas où il en est. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Euh, on a l'impression que le bonhomme, il, il, il a il, plus il, les clés. Il, il s'adapte aux situations. Il, ouais, en fait, voilà. il s'adapte aux situations oui, et aux situations des riches au jour le jour. Et, non, mais aux situations des riches, quoi. Ah, hein. oui, oui. C'est-à-dire, euh, il, il, c'est le caméléon. Hein. C'est un caméléon euh, euh, extraordinaire. Complètement. Mmh. Et, et donc il euh, n'y a, a plus de pilotes dans l'avion en fait. Le, en même temps, c'est il n'y a plus de pilotes dans l'avion. C'est ça qu'il fallait comprendre quoi. Et ça fait ça fait un petit moment quand même que c'est comme ça. Je et, sais et quand, quand Tu dis il n'y a plus de pilotes. Moi je pense qu'il pilote. Hein. Euh, ouais, moi je pense qu'il pilote pas. ce garçon. Euh, ouais. euh, seulement il pilote. Euh, il est c'est euh, quelqu'un qui est au service euh, des oligarques. Hein. Euh, oui. Alors oligarque, qu'est-ce que ça veut dire <laughs> Oligarque, c'est... Disons nos no dirigeants riches euh, qui dominent ouais. le, hein, domine le monde. Il faut quand même qu'on fasse un tout petit point avant que ce soit le quiz de, de, de Denis. Denis, Denis sur le fait qu'on on a parlé un petit peu du conflit qui se passe en Ukraine et ne, ne, on n'est pas du tout dupe du fait que Zelensky est et un mec qui, est, qui fonctionne avec les oligarques ukrainiens. Hein. Et, et donc, il, il fonctionne avec les oligarques ukrainiens. Et, et c'est un pro-américain. Et, et grâce aux, aux multinationales américaines, voilà, entre autres, hein, etc. Il, même... il est complètement au service de tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on soutient Poutine. Exactement. C'est-à-dire que le Poutine, il n'est pas net non plus. Et tout ça, ça se passe avec, sur l'émission que l'on a faite la dernière fois, où on a essayé de mettre l'accent sur le fait que, pourquoi est qu fait en en est qu il y a ce conflit en Ukraine C'est aussi parce qu'il y a des riches de, de plein de minerais, de plein de choses euh, qui, qui est en Ukraine et en ce moment, toutes ces multinationales, ces oligarques, etc. sont aux manettes pour essayer de récupérer le bébé. Comme partout. Ouais. Comme Malheureusement, partout. en Afrique, ouais. c'est que ça. Euh, mmh. Dès qu'il y a des de richesses mais... au Chili, de partout, euh, voilà, on mmh. déstabilise, on déstabilise le le président en place pour voilà si, il est, si on ne peut pas le corrompre pour le déstabiliser maintenant ce qui est grotesque c'est qu'on nous vend tous les matins le zelensky comme le chevalier blanc de l'europe tu vois alors ça ça moi ça commence à me gonfler sérieusement et puis euh, et le mec il est vraiment absolument pas net euh, il, a, il est dans la corruption jusqu'au cou il est complètement otage de plusieurs oligarques si vous cherchez un petit peu les infos vous les trouverez là-dessus euh, c'est pas des, des infos complotistes hein, c'est pour, pour de vrai et le mec tous les tous les matins il vient nous comment il va gagner la guerre pour nous. Hein. Bon, euh, bon. c'est à toi Denis ah. sur, le, sur bon alors, le quiz. Le quiz. Donc, euh, tous les quinze jours, je pose des questions. Donc, euh, c'est parti. Vous m'utilisez tous les jours. Je suis présent sur toute la planète. Je peux avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je peux avoir toutes les formes imaginables. Je suis une pollution de notre siècle et je peux être très dangereux. Qui suis-je voilà. Donc la réponse dans, dans 15 jours. La réponse dans 15 jours. Nous allons Avec, réfléchir euh, développer de, de la pollution. Et peut-être qu'à un moment d'ailleurs, on aura un invité qui viendra nous expliquer des choses qui ont trait au sujet que tu es en train ouais. de développer. Voilà. Et dans 15 jours hein. Et je donc on a fini l'émission. On vous souhaite quand même de, un bon courage, une bonne année, tout ça. Bonne année. À ne, tous. ne lâchez rien. Voilà. Ne lâchez rien. Ouais. Et dans quelques jours, on sera encore là. Ah, pas ne pas vous ça. laissez pas enfumer. Allez, à plus. Allez, ciao roi. <laughs>